Bonjour tout le monde, bonsoir. Moi c'est Carl Saint-Cyr, moi avec vous l'autre fois encore, jeudi, hein, pour présenter l'émission Moment PAM, émission ça que nous connaissons et qui est présentée par la plateforme Fernando Live. Là. Et une émission qui gagne pour objectif et parler d'activités touristiques, activités culturelles dans le pays. Là. Mais pendant la semaine, nous remarquons qu'il y a un sujet qui est d'actualité. Les compatriotes et qui en difficulté et au Mexique et aux États-Unis, frontière Mexique, entre Mexique et États-Unis. Donc, nous avons un contexte qui est assez particulier, donc qui fait que et pendant ce moment-là, nous sommes obligés de centrer le débat donc, sous situation ça, que moi pensais et qui doit toucher conscience chaque Haïtien, comme toujours dit à travers l'émission ça. Donc, je dis, dans l'émission Moment PAM, nous allons continuer à parler de événements spectaculaires qui ont passé depuis pratiquement le commencement de semaine. Nan. Et en pile haïtien qui a foulé la caillou. Donc nous voyons, nous voyons l'actualité, nous voyons nouvelles. Donc je tiens pour parler de sujet ça, pour parler de contexte ça, nous gagnons avec nous, un invité spécial, et Wilfried Joseph, c'est lui qui est avec nous aujourd'hui dans l'émission Maman Pam. Côté ensemble avec lui, nous allons regarder divers points. Et sous sa cap dominée actualité à sous question et déportation. Donc, Wilfried Joseph, et que m'a l'alité pour le présenter, lui, et m'a pas quoi besoin de trop bagaille. Et Wilfried, bonjour, bonsoir, comment nous? Nous, très bien, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour nous sur la plateforme Fernando Live là pour nous commenter. Moi, c'est Wilfried Joseph, je finis dans la relation internationale, c'est dur. Et moi, c'est directeur de recherche sur la plateforme de réflexion sur le sujet international et tout sur les. Donc, en gros, c'est ça. Voilà. Et Wilfried Joseph qui dit nous qui est lié. Et moi, je pense que nous avons regardé la blanc là, nous avons compris que nous allons gagner un bon débat et ensemble avec M. Wilfried. Et Wilfried, et où est l'actualité? Où est-ce que ça a passé? Qui ça a dit en tant qu'Haïtien? Avant que nous entrions dans l'essentiel du débat. Bon, bah, c'est les situations vraiment déplorables. En tant qu'Haïtiens qui comprennent que aucun être humain n'est pas supposé trouver une situation pareille, mais il faut nous poser une question. Qui ça fait des milliers d'Haïtiens trouver Situation sur ça. frontière-là? Voilà. Ce n'est pas comme si du jour au lendemain, bagaille arrivait. Ça veut dire qu'il y a tout un enchaînement. Ça veut dire que ce sont des conséquences de nos inconséquences. Donc, tout ça a interpellé nous et nous, ouais, silence autorité sous question qui pas pipé mot. Vu que nous avons un contexte qui est assez particulier, vide institutionnel, assassinat président, donc vous êtes déjà dans la crise déjà, et vient ajouter avec tout ça. Donc vous venez comprendre que principalement son pays qui Laissé à la dérive. voilà, m'a dit son pays qui est des veines, mais nous avons un problème pour nous résoudre. Mais Wilfried, pour nous entrer dans le sujet, d'abord, il faut nous parler de politique migratoire aux États-Unis et comment et pays États-Unis gérer politique migratoire parce que nous connaissons généralement politique migratoire au pays c'est en fonction de l'intérêt que gérer ça donc ça arrive arriver que bon moment à un autre que accepter une quantité de monde venir dans le pays et puis bon l'autre moment que vous décidez de camper ça dépendamment de l'intérêt économique dépendamment de l'intérêt politique tout et vous capable pour grand pile monde qui parler semaine ça par rapport à quantité d'Afghans qui est entré. Et Haïtien qui va quitter entrer. Bon, sujet, ça nous va, bon, question, ça nous va l'aborder plus devant. Donc, comment on peut parler de fonctionnement et politique migratoire des États-Unis? D'abord, avant de parler de politique migratoire des États-Unis, il faut nous connaître les États-Unis. D'abord, il y aurait la terre des immigrés. Les États-Unis, ouais, qui à ce niveau, c'est des immigrants qui viennent. Si nous avons fait un coup d'histoire, historicité et les États-Unis pour nous, nous avons dit, à partir de 10, 1660, il y a des immigrés anglais, français, hollandais qui sont venus. Qui d'après le premier peuplé, terre ça. Et ensuite, après les États-Unis finissent dépendants en 1776, entre 1819 et 1840, il y a plus de 730 000 immigrants qui sont venus. Qui étaient pour la plupart des Irlandais, 80%, qui étaient Hollandais, Allemands, qui étaient venus. Et les pralgués la rouillée vers l'eau en 1848.
de 1840 à 1860, plus de 3 millions d'immigrants venus. Ça fait un fait si rappel historique ça. C'est pour montrer nous que les États-Unis, c'est la terre des immigrants. Et ça inclut la constitution américaine qui dit la poursuite du bonheur. Ça veut dire nous accepter les immigrants venus. Mais avec le temps, avec ampleur, les États-Unis viennent gagner, ils viennent changer la politique là. Et première loi, ils prennent sur l'immigration, ils prennent le 3 août 1892, sur l'immigration acte. 1892, ça veut dire nous au 19e siècle. Mais donc, t'es quand là que t'es prêt dans fin 19e siècle, là, les Chinois ont envahi le pays. D'abord, mais ça te gagne. À l'époque, ils te gagnent, ça nous relève en sorte de. Ils te gagnent en politique anti-chinois. Et ça fait, ils te prennent, la prononciation anglaise, mais ils te prennent des actes qui contre l'immigration chinoise. Okay. Avec le temps, et m'kwa yo te krasé presque tout Chinatown qui te gen dans le centre humain aux États-Unis. Okay. N'a pas avancé. Mais avec en 1865 et les Johnson prend une loi à la et qui au pied du statut de la liberté pour dire que les États-Unis a toujours été une terre d'asile. C'est pour yoté ka aménager ou bien pour yoté ka faire disparaître quota qui ont été imposé dans l'immigration. Mais qu'on a là, en nous entrer au 21e siècle. Les États-Unis, d'abord, c'est majorité, ils ont considéré qu'il y a les immigrants à papier et les immigrants sans papier. Qui est-ce qu'ils ont considéré les immigrants sans papier? C'est les clandestins qui entrent aux États-Unis sans passer par voie légale. Ils ont considéré l'autre immigrant, c'est les gens qui entrent aux États-Unis, mais qu'à échéance, ils ont été. Ça doit passer de qui époque? Non, à partir de 20e siècle et 21e siècle. Okay. Quand on considère que c'est moun que ka échéance l'arrivé, mais il aurait été aux États-Unis. Ça veut dire, par exemple, m'a illustré samedi, par exemple, un moun qui a un visa 5 ans. Et bien, pendant lié aux États-Unis, visa 5 ans, l'infini, il aurait été. Donc, moun ça fait partie de catégorie ça. Et puis, pour l'autre catégorie encore, nous relèvons l'expérience. Qui c'est un statut temporaire que vous avez accordé à un pile haïtien avec Salvadorien que à partir de 2010 et côté que vous saute prolongé le 29 juillet, ça qui se passe à, en fonction de problèmes qui gagnent en Haïti, vu le président assassiné, des problèmes et tremblement de terre, etc. Voilà. Politique migratoire des États-Unis, faut nous connaître que l'IPA a changé. Et moi, pour exemple, de 2009 à 2014, les États-Unis déportaient sous administration Obama plus de 2,5 millions de ressortissants. Or, ça plus que 20e siècle là, dans l'ensemble. Ça veut dire de 1900 à 1999, Obama déportait plus de monde. Et de 2000 à 2017, les États-Unis investissent 100 milliards de dollars pour Yoka. De 2000 à 2017, les États-Unis dépensaient 100 milliards de dollars pour sécuriser les frontières que vous partagez avec Mexique qui était 3200 km. Ça veut dire pour montrer nous. Et de 2016, les États-Unis investissent 40 milliards pour équiper les policiers qui sont sous frontières mexicaine. Ça veut dire pour montrer nous les États-Unis ont une politique migratoire très rude. Et chaque année, l'administration américaine a 650 000 visas en raison de 20 000 visas par pays. Donc, c'est son bagage qui est très bien coordonné. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépasser. Oui. Donc, alors, ça me dit que politique migratoire est faite en fonction des intérêts. Tout à fait. Et je me souviens sur l'administration Trump-Plan, Trump te dit. Si Norvégien yo ka vini, c'est moun sa ou nous voulons venir aux États-Unis. Mais là, il te gen plus ou moins un discours qui t'a appelé gen une petite connotation raciste. Parce que nous connaissons Norvège, c'est au nord de l'Europe, c'est Scandinave, c'est la race aryenne. Voilà. Oui, alors, et sous même point ça, Wilfried, nous capables de aborder une question Afghanistan. Faut nous gagner une différence criante entre un réfugié et un immigrant. Voilà. Convention qui statue et qui statue sous réfugié que aurait les conventions de Vienne que aussi le 26 juillet 1951 et qui entre en vigueur le 22 avril 1954.
avec le protocole additionnel de 1967, là, dit clairement, je réfugié si un monde qui quitte la Kaili, côté que ville menacée de par croyance li, ou bien de par race li. Oh, yon migrant, c'est un monde qui quitte la Kaili pour. Alors, pour définir ce qu'on pour réfugié, on va mettre des questions économiques là, non? Non, on va mettre des questions économiques, ça veut dire que plus, plus man, yon rapport politique. Voilà. Oh, yon migrant, c'est un monde qui quitte la Kaili légalement ou illégalement pour aller chercher un mieux être. Ça veut dire, ma vie, mon yon comprenne question là. Quand on a nous rentré, on va rentrer dans la question afghan. Afghan, 37 000 afghans, ou après, on dit, et à l'administration Biden, dit ce sont des réfugiés. Et réfugiés, oui, parce que vie, mon sa est menacé de fait que les talibans prennent le contrôle de Kaboul. Or, de bout à coopérer avec les États-Unis pendant 20 ans, il fait en Afghanistan de 2001 à 2021. Ça veut dire, depuis, afghan, depuis les États-Unis allaient ou étaient afghans ou absurde. Excusez-moi, taliban ou absurde. Et taliban qui signifie dans la page tout non, érudit ou bien des étudiants en droit islamique. Or, on prend le cas haïtien. Haïtien, que nous, qu'après prendre toute notre considération, nous pas réfugiés. Et nous, qu'a dit ça, majorité de monde qui vient là, ils ont tourné. Pas de monde qui dit rien, pas de monde qui tue. Ça veut dire, ce sont des migrants. Ce sont des migrants économiques. Ça veut dire. Pas qu'il y ait une guerre ethnique. Et oui, en Haïti. Même si Haïti a des problèmes, gang, des problèmes, oui, bagarre. Donc, c'est bien ça clair dans notre monde. Ça veut dire, pas qu'il y ait une connexion entre Afghans, entre 37 000 Afghans qui ont accepté aux États-Unis avec 14 000 Haïtiens que vous voulez refouler en Haïti. Ça veut dire, pas qu'il y ait une pas qu'il y ait lieu de comparaison. Vous devez ça clair dans notre monde. Alors, il y a un monde qui dit que Afghanistan, c'est ennemi États-Unis. Haïti, ses amis États-Unis, pour ça toute complaisance. Non, et les pays, m'dame est fait. Alors, c'est éclaté ce moment. Oui, oui, oui. M'dame est fait. Parce que quand il y a un monde qui, certainement, n'a fait noir, pas comprendre que ce n'est pas bien. Oui, m'dame est ça clair dans tout le monde. Les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. M'dou, en fonction de qui ça, ils ont accepté 37 000 Afghans. Mais 14 000 Haïtiens, on va accepter nous comme ça. Et de fait, vous avez dit, je vais vous parler de cette question. Il faut nous connaître côté de la il y aurait sous point dans la ville là Rio Grande qui fait partie de Texas. Texas c'est un bastion républicain. Alors n'a pas ça rien en faute de mais ça semble faut comprendre, il y a monde qui dit tout que et il par rapport avec politique que États-Unis a mené dans Moyen-Orient qui que tout le monde pas être bien et il doit besoin la veille image refaire image dans zone ça et puis décider pour en quantité afghan venir avec dans pays. Bien dit, Afghans, pour la plupart, ce sont des Afghans qui ont coopéré avec les États-Unis pendant 20 ans de fait en Afghanistan. Alors, 37 000. Oui, 37 000. Et ensuite, Mounsao, bien dit, yo déterminé, ce sont des réfugiés. Ça veut dire, yo dit, vi Mounsao, j'aime du convention, convention relative au statut des réfugiés ou bien dit convention de Genève là, définit ça. Ça veut dire, c'est en fonction de convention de Genève que les États-Unis. Que les États-Unis signent et ratifient en 92, qui fait au fait, qui est différent de 14 000 Haïtiens qui voulaient entrer aux États-Unis illégalement. Et Mounsao, ils pas sorti en Haïti directement. C'est de monde qui était au Brésil, au Chili, qui traversait toute l'Amérique du Sud là pour aller aux États-Unis. Et c'est de monde tout qui était grand quantité de temps à vivre dans le pays. Tout à fait, tout à fait. Ou une vidéo en Sibis qui a 10 ans, qui que les fêtes. Au Chili. Il n'est pas fait en Haïti. Si, il fait au Chili, donc son Chilien. Généralement, par an, il y a plus que 10 ans depuis la vie de Chili. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Donc il n'y a pas lieu Z, il n'y a pas lieu de comparaison entre Afghans avec Haïtiens. Voilà, voilà. Oui. Et je pense que le monde qui t'a posé question sur question, ça a nous édifié par rapport avec l'explication que Wilfried a posé pour nous. Mais Wilfried a gagné un autre aspect qui est important dans. La question ça pour aborder et ces conséquences diplomatiques que ça a gagné dans la relation de pays même là nous connaît que Haïti c'est on poids plume nous pas gagner trop poids nous pas peser trop poids dans cercle international là mais quand même nous sommes pays nous sommes état nous déjà tout état nous fait partie de l'organisation des Nations Unies donc on pense que nous gagne droit tout et qui conséquence d'après vous que ça a gagné dans la relation diplomatique de pays par rapport avec traitement et par rapport avec ce que vous avez dit à tout, convention, plusieurs conventions qui parlent de sujet ça. Donc, qui conséquence qui a pas gagné dans la relation diplomatique? D'abord, mais ça pour nous comprendre, il faut nous comprendre le contexte de l'administration Biden. Biden quitte Afghanistan
en queue de poisson. Biden sorti un accord avec l'Australie côté que l'Australie quitte un contrat avec la France sous question sous-marin qui t'a coûté 56 milliards. Donc Biden non contexte côté que li voulait affirmer et administration américaine a reprendre plume li. Donc c'est normal, ça veut dire réaction en façon ou agir, il t'a toujours agi comme ça pour la caillou. Mais non, j'ai au traité question, non, j'ai au traité mounio, ça vient ballon l'autre, ça veut dire vient bal et opinion américaine en l'autre connotation. Mais question ça me passe c'est moun qui dans diplomatie haïtienne yo, moun et comment te ka dit ça, ambassade haïtienne qui ambassadeur haïtien qui accrédité à Washington, consulat nous gagne aux États-Unis qui était supposé prendre question ça en charge avec ensuite bon l'autre ba me toujours envie dit les haïtiens qui États-Unis, il faut nous regrouper nous. Parce que, par exemple, chinois, nous ne pas faire chinois, ou ça, juif, bon, bah, même besoin de parler de juif. Parce que faut nous regrouper nous en association pour nous faire nous servir comme groupe de pression. Parce que haïtiens qui aux États-Unis. Alors, il fait lui, mais il fait de manière isolée. Oui. Donc, parce que haïtiens qui aux États-Unis, ils gagnent un poids. Et je parle, par exemple, de la Floride qui toujours en swing state dans l'élection. Ça veut dire que son état qui toujours très important pour un monde qui a besoin. Gagne maison blanche là. Oh, mais c'est haïtien ça ou te ca servir tête. Alors, Floride c'est pour un état qui domine pas par républicain. Non, son état qui vraiment contre si, ça veut dire il ca voter républicain, il ca voter démocrate et quoi et dans élection se passe là trop te gagne Floride. Voilà. Donc c'est pour avancer. Oui, ça veut dire mais c'est haïtien ça ou supposé faire tête pour servir un groupe de pression pour faire que ressortir ça haïtien ça qui sous frontière là joindre un meilleur accompagnement. Ensuite bon, c'est diplomatie haïtienne non t'es supposé prendre et saisir Conseil de sécurité à faire du statut sur ça même si les États-Unis ont droit de veto et ensuite saisir ASEAN qui c'est le haut commissariat des réfugiés saisir et OEA sous question droit de l'homme pour alors, un meilleur traitement. Alors là on parle des aspects techniques question oui, mais qu'on y a là l'ovine pour aspect technique là et pour regarder des conséquences sur le politique là parce que les autorités haïtiennes ont décidé pour voir ça pour proposer à là donc il va qui ça États-Unis va dire après qui ça va le faire après que réaction que va gagner mais même pas c'est moi ça me dit mais dit États-Unis vont exercer dominance sur politique. Je suis tout à je suis parfaitement d'accord mais ça me dit toujours mais dit si on va faire politique ou bien chef ou on chef que ton chef voilà c'est que moi même Wilfried un chancelier, on va répondre à arriver, m'a convoqué ambassadeur américain qui a accrédité en Haïti pour venir bonne explication. Et ensuite, si c'est par exemple, si c'est ambassadeur haïtien qui a accrédité à Washington, m'a demandé audience auprès de secrétaire d'État qui c'est Anthony Blinken pour bonne explication. C'est ça, ouais. C'est ça que tu es supposé faire. Oh ouais, autorité en Haïti, rete silence. Parce que sous autorité, l'autorité c'est haïtien, fort autorité c'est ressorti sans ça, 14 000 ressorti sans ça, qui font autorité. Oui. Donc, on suppose de défendre, et toujours me rappeler ça. Pour un professeur, je me rappelle l'estime pour lui, il y a eu lui, il te toujours me dit, nous ça l'aime, c'est dit. Faut nous pas prendre job là comme une jouissance, faut nous faire travail là. Ça veut dire ça c'est travail moun qui accrédité à Washington yo moun qui dans consulat à Atlanta non moun... mais c'est dommage chou en plus moun qui travaille en diplomatie c'est pas le moun qui compétent c'est pas le moun qui gagne qui connaissance pour job là bon ça c'est soit mandé à la faut moun yo connaît le puis au fait donc c'est pas connait le pas faire on connaît ce qui base mettre en plus moun en diplomatie donc ça m'a pas le montrer dans non mais nous connait réalité ça tout nous pas ignorer donc oui bon m'a pas faitement d'accord avoir moi m'a dit moi même mais ça que supposé fait ça dit mais comment yo ka mais comment vous avez abordé la question? Oui, voilà. Et si vous n'avez pas fait, comme ça, vous n'avez pas fait, parce que vous avez dit que vous abordez l'aspect technique là, et l'aspect politique là, tout à fait. Parce que ni moi ni vous connaissez, et en plus l'autorité ici qui est ce qui mette ce pouvoir, donc il y a ça à tout. Nous ne pouvons pas faire ça. Tout le monde connaît les relations la France avec les États-Unis, mais dernièrement là, et Emmanuel Macron souhaite rappeler l'ambassadeur lui pour parce que lui juge que les États-Unis mal réagi par rapport à un dossier. Donc, ou bah, si ce pays ne fait pas la question des États-Unis, nous avons un rapport privilégié. Donc, se trouve que ça a fait la panne dans l'intérieur ou supposément des explications. C'est juste, c'est normal. Alors ça me bloque un peu tout.
la France avec Haïti n'a pas la même capacité pour subir pression. Tout à fait. Tout à fait. Il faut regarder ça. Ce n'est pas que je dis Haïti doit être passif, il ne faut rien du tout. Mais il faut regarder la puissance politique de pays, puissance économique, tout, tout ça. Donc, la capacité que la France gagne pour subir pression américaine, ce n'est pas les gens qui gagnent ici. Et nous connaissons depuis quelque temps. C'est les États-Unis qui pratiquement contrôlent la politique en Haïti, nous ne pouvons pas ignorer le fond. Donc, c'est pour ce façon pour nous autres que, et même là, en plus l'autorité haïtienne dans envie réagir, dans envie de poster, puis il doit y contrôler ça. Ce n'est pas, pas une excuse, je vais chercher pour eux, non, mais il doit y contrôler ça. Mais ce n'est pas une raison qui peut faire que vous pas. Tout à fait, tout à fait. Parce que je dis, nous, ces pays, nous sommes États-Unis, là, tout l'autre État, nous avons le droit. Donc, nous faisons partie de Nations Unies. Donc, si on compte que nous devons porter plainte, il faut nous faire. Tout à fait. Et ensuite, je pense que, bon, l'autre bas, je vais décrire, je vais une autorité sortir une note. Sortir une note. Même ministre des Affaires étrangères n'a pas sorti une note. Sortir une note. Or, même ambassadeur ou bien ambassade Haïti qui est accrédité à Washington n'a pas sorti une note. Voilà. C'est vraiment déplorable. Oui. Et qui vient faire que. Et, qui vient créer une frustration de la. Tout à fait, tout à fait. Parce que, moi, je me dis, nous, c'est ressorti. Quoi qu'il arrive, depuis qu'il y a un passeport haïtien, côté et sous terre, Haïti a droit à protection. Parce que même les immigrants, les illégaux, les droits. Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, tout ça, convention de Genève qui statue sous statut réfugié, dit ça. Si les gens sont réfugiés, on ne peut pas refouler automatiquement. On ne peut pas faire ça. Et ensuite, bon, l'autre bagage encore. Par exemple, il y a un groupement familial. Si les gens n'ont pas maman, papa, petit. Depuis que nous n'avons pas refoulé comme ça. Donc, il y a un peu de violation. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment difficile. Donc, c'est un peu de violation. Donc, il est évident que l'État haïtien réagit. Tout à fait. Voilà. Même ne serait-ce que pour faire respecter ça, les États-Unis signent comme convention, signent comme traité. Et pour le ministre en Libale, il dit que les carrières sont mieux, mais pour le Bali. Bon, non, c'est par rapport avec passivité, autorité haïtienne qui t'a parlé là. Donc, au lieu que tu as essayé de me déposer ce que tu as fait là, je préfère dire que tu as reçu quoi. Vous voulez me sortir de la gueule? Et je change l'aime des jeunes, nous t'aimons jouer au football, et nous jouons au football. Non, parce que moi, toujours. Oui, et il y a un bout de terre. Quand il y a presque tout haïtien bout de terre. Oui. Donc, si vous avez mis ce baron, c'est de non, l'autre Haïti, il y a. Bah ouais, ça faut demander sinon l'autre Haïti OK nous ca recevoir mais moi même non ça m'a vu là oui et puis sur même point ça tout ouais que Daniel Foot qui t'a envoyé oui oui de game pour me faire tout ça ça monsieur démissionner quoi ça c'est pour montrer que au plus haut point de l'administration américaine des monde qui pas d'accord ça fait là et m'a parlé pour exemple de Elian Omar qui c'est un représentant ça dit ils sont députés mais aux États-Unis les représentants. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça que fait là parce que moi-même, tout, je suis immigrant. Je suis immigrant soudanais. Ça veut dire que je suis sorti au Soudan. Ça veut dire que les États-Unis, de par histoire, ils ont toujours été une terre d'accueil. Ils n'ont pas qu'à faire une forme de traitement. Ça, oh. Voilà, oui, voilà. Et pour nous entrer dans l'autre question, hein, pour nous entrer dans la considération politique, et est-ce que ça va passer là? Parce que pour et mon yo sorti, Chili, Brésil, ils arrivent aux États-Unis, ils arrivent sous frontière. Certainement, il y a une information qui est au début. Il y a des gens qui ont un réseau bien organisé qui, certainement, ont dit qu'ils sont arrivés. Donc, le réseau, ça, nous, nous ne savons pas qui est, mais nous avons fait une idée. Donc, est-ce que par exemple, on tire croisé entre le Parti républicain et le Parti démocrate, là, puisque par exemple, l'élection mi-mandat, tout à fait. Qui va venir là, et Donald Trump, qui était président déjà, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis et nous avons l'impression que ça a fait. On est quitté président, qui est toujours est populaire et qui a une possibilité pour devenir recandidat. Donc, et côté, et bien, elle a passé à tout. Dans l'État côté, elle a passé à Texas. Nous connaissons que c'est un État qui est dominé par les républicains. Donc, est-ce que pas de considération politique que nous avons fait dans la question par rapport avec nous? Oui, tout à fait, il y a une considération politique. Parce que faut nous connaître les élections de mi-mandat, ça y est, les mid-terms sur. En novembre 2022. Donc, et ensuite, Biden voulait toujours montrer que population, comme si population, ça le dit, toujours besoin, comme si montrer, voyez perception que mon papa vient aux États-Unis, j'en ouvre. Et ensuite, Texas, c'est
État très conservateur, c'est républicain qui domine. Et me dit nous ça. Et j'aimerais dire nous ça, de 2014, de 2009 à 2014, il a été déporté plus de 2,5 millions de ressortissants. À l'époque, Biden était vice-président. Ouais. Et en 2020, Trump te prend un executive order, ça veut dire en Haïti, nous avons carré, il était pour arrêter, pour que yo refoulé systématiquement tout le monde qui vient illégalement. Ça veut dire, ce que Biden fait, c'est un bagage que Trump te signe, a dit, refoulé, il n'y a pas même besoin, il n'y a pas même mandat comme si pour demander droit d'asile. Qui ça nous relève droit d'asile là? Droit d'asile là, c'est côté commandé État, côté Ribéa, pour accepter parce que la caillou ou c'est vie de un périple. Ça veut dire, ou demander pour mettre en lieu sûr. Donc, administration ça, laisse sous Trump, il dit que les États-Unis a refoulé systématiquement moun yo sans pas mandé droit d'asile. On appelle à Boris ça fon tout di moun yo tout pour qui ça c'est Texas que Texas j'aime ça dou là je vais me répéter les États-Unis partagent avec Mexique 3200 km² de frontière donc Texas et fon connaît tout Texas te fait partie du Mexique. Auparavant, c'est guerre qui était guerre entre Mexique avec les États-Unis qui fait Texas tapral pour les États-Unis et Texas gain en pile ressortissant mexicain là-dedans et gros l'autre bagaille m'bra dit mon yo qui plus à long terme projection dit en 2040 les américains blancs à minoritaire ce sont les latinos qui pral majorité or tout ça c'est question qu'a joué là ouais. Ça veut dire toute question ouais y'a pour refouler les immigrants comme ça n'est pas comme ça ça veut dire gain considération politique et gain considération démographique qu'a joué dans question oui. Là même question ça n'est pas poser pour le dominicain tout parce que dominicain lorsque vous pas appeler haïtien envahi donc autant que monde ça revient imposer et notoriété là dans le pays là. Il parle de force, ça parle comme force politique qui a peut-être bah, un problème. Alors, et c'est même et calcul ça et pour faire tout. Donc, qui vient faire que le comportement qui gagne là, beaucoup de autorités américaines, et principalement dans l'État Texas, est-ce que ce n'est pas élection trop qu'a préparé tout? Parce que le pas jouer sur ça politiquement. Donc, le pas gagne élection, il parle obligé de chita sur ça. Tout à fait, tout à fait. Parce que. Et moi, c'est que l'administration Biden a vient trouver dans une position qui très complexe. Parce que l'IPAV voulait montrer laxisme devant la situation pour ne pas utiliser ça comme cheval de bataille pour l'élection. Et ensuite, l'IPAV voulait paraître droit du tout, de part. Parce que faut nous connaître que le Parti démocrate là aux États-Unis, son parti plus ou moins, comme on a dit ça, qui mosaïque, plus ou moins monde qui modéré. Il y a des gens qui plus ou moins à gauche, très à gauche, et des gens qui très à gauche. Yo, yo majorité, nan ou, c'est comme si c'est petite immigration. Et par exemple, à Alexandria Ocasio-Cortez, qui c'est l'étoile montante Parti démocrate là, qui c'est un représentant, ça veut dire lui-même, il sorti dans l'immigration, ça veut dire l'origine cubaine. Ça veut dire tout ça, toute question ça, rentrer en ligne de compte. Et puis là, il y a un peu de problème de vous. C'est pas seulement haïtien qui en situation. Oui, c'est pas seulement haïtien, mais majorité à la grande majorité c'est haïtien. Oui, on t'a pas dit pour qui ça c'est photo image haïtien qui plus dominé dans l'actualité ou ça l'autre nation parce que yo parle d'un bus qui t'a transporté des réfugiés. Les moun yo viennent réagir de manière violente avec le conducteur. Certainement, il parlait de haïtien. Et c'est pas cela ici que Salvadorien, mais bon bah pour nous comprendre, les États-Unis a toujours été foncièrement raciste. Ça faut nous toujours songer question ça aux États-Unis. Mounio raciste, c'est toujours malgré toute évolution qui fait premier président noir, mais société a toujours été une société raciste. Voilà. Et nous songer tout. Toute question, Black Lives Matter, police sexier, George Floyd, toute question, ça veut dire pour nous montrer nous que comportement, et puis ensuite, quand l'autre bagaille, yo t'es toujours, aux États-Unis, yo t'es toujours refoulé haïtien, yo pas jamais accepté haïtien. Et ça, faut, ouais, haïtien, pas jamais. Bon, de par histoire, nous, c'est de par histoire, nous tout, parce qu'on connaît que Haïti, les Haïti étaient indépendants en 1804 là. Les États-Unis, même s'ils étaient indépendants en 1776, ils ont toujours été un État esclavagiste.
C'est juste sous Abraham Lincoln en 1865, côté que vous prenez abolir l'esclavage après la guerre de sécession. Voilà. Ça veut dire toute question, ça, il faut nous connaître. Et ensuite, les États-Unis. Vous comprenez ça qui a passé, oui, ça veut dire qu'il faut toujours comprendre l'histoire. Voilà, l'histoire des États-Unis. Mm-hmm. Et les États-Unis toujours, a toujours été raciste. Voilà. Donc, ou après, m'a dit c'est normal, ça qu'a fait là, mais c'est normal pour Américains, comme si pour que la police américaine réagit comme ça par rapport à des immigrants haïtiens. Ok. Bon, et je pense que c'est Wilfried Joseph, c'est un pile bagaille là, qui en pile là nous pas de connaître, qui en pile là nous certainement identifié, et technicien qui a fait de signe que le arrivé sur moi. Donc, je pense que nous avons gardé plus de bagaille toujours sur la situation. Hein? Puisque Wilfried est venu avec un pile d'information pour nous, il est venu avec un pile éléments et de réponse par rapport à la question que nous avons posée. Mais Wilfried, il y a une autre question importante que nous avons abordée avec vous avant pour aller. Il y a un pile de réfugiés qui viennent en Haïti, qui sont frustrés. Et nous avons une image qui a dominé dans l'aéroport là. Il y a un pile de réfugiés qui ont tenté de remonter même avion qui était mené au venir. Et nous connaissons un grand pile de monde qui dépasse un pile propre pour se déplacer dans la zone ça. Et c'est pratiquement des gens qui décapitalisés. Et des gens qui viennent en Haïti là, qui ont été même pas comme un coup de caillou. Parce qu'il y a un pile de monde qui quittait Haïti et quelques temps. Et femme dit que c'est pas sous 10 dernières années ça, les gens commencent à Chili et au Brésil. Évidemment, les conditions économiques du pays sont plus difficiles. Ces dernières années, certainement, il y a plus de monde qui allait. Mais il y a des gens qui sont établis dans le pays depuis pratiquement 2006, 2008, 2007, tout ça. Donc, c'est des gens qui ont pris l'autre bois et en pile temps. Et qui vient faire que les gens qui sont arrivés en Haïti, certainement, ils sont sous stress, ils sont sous pression et tout ça. Donc, je ne sais pas comment comprendre ça. Comment comprendre que les gens qui ont survécu. Avec bon, il est vraiment difficile pour un monde qui peut-être quitté Haïti ça presque 20 ans et puis ensuite il est déjà comment il est déjà établi côté de l'Italie. Donc pour retourner, mais pour l'autre bagaille qui dit tout. Pour l'autre bagaille qui dit tout. Soit pour refouler mon nom, ou obligé de refouler côté original, ça veut dire bien refouler, ou bien refouler en Haïti parce que c'est passeport haïtien mais yo. Donc, je pense que c'est ça qui a été le gouvernement haïtien, comme le premier ministre dit le cas où je vois, qui pour mettre des mécanismes pour nous faire nous réintégrer, même parce que c'est vraiment difficile et nous mettons à attendre, nous avons peut-être des cas de suicide ou bien ce que nous avons souhaité, nous avons des cas de dépression. Parce que nous, vers qui a venu joindre nous côté OEA de Haïti, nous faisons ça, ou pas vraiment pas intéressant du tout. Donc, nous avons dit que tout homme qui a été tout homme qui a fait pile loin côté de Haïti la pile bon pour moi donc qu'on est là comme si comme des cas dire c'est et comment et conséquences de décision et conséquences de choix nous fait que nous retournons en Haïti pour des cas qui pas donc une préparation voilà. Donc qu'on est là comment nous allons essayer de réadapter nous à vie ça oui c'est la grande question oui c'est toute question ça qui vous pose tout puisque malgré ouais et depuis 7 juillet le président l'a assassiné par un président passé pour un pays, donc son premier ministre qui a dirigé et le premier ministre pour pouvoir limiter parce que le conseil a un gros ensemble d'actions que il pas à prendre. Et qui vient faire que pour qu'on y a là, en un pays, non seulement nous avons une crise institutionnelle sérieuse, et vient ajouter avec le monde de catastrophe qui se passe là, qui augmente ce problème. Et puis avec les réfugiés ça, qui viennent rentrer dans le pays, qui viennent servir, on a l'autre problème encore. Donc ça, tout ça vient montrer nous que nous avons des bagages là-même. Mais on a l'autre bagage qui me dame, la dernière question qui me dame pose. Et alors, on ne parle pas de conséquences, ça a gagné dans la relation de pays. Même dans les d'autres conséquences que ça a gagné sous réélection de Joe Biden. Donc ça a passé là. Donc d'abord, je crois que Joe Biden te dit que l'IPAP. Il va prendre un second mandat vu que la Chine est avancée. Oui. Alors, anti pour avenir parti démocrate là. Bon, bah, d'abord, bah, c'est moun ki pral gen un peu pour jouer dans la question ça, c'est vice-président de la Kamala Harris. Peut-être s'il a gen des velléités présidentielles, qui pral question ça pral refaire surface. Et bah, c'est comment te dire, c'est gestion de situation ça, de crise ça,
Faut moi que jusqu'à présent pour ressentir Biden, non? Non, mais quand l'autre bagaille, je vais ajouter, Jean-Yves Le Drian, qui est ministre des Affaires étrangères français, a dit que Biden, c'est trop, sans l'être, oui. Donc, c'est pour montrer comment on concevoir Biden, non. Bon, pour les Affaires étrangères, oui, oui, mais, oui, et puis, bah, c'est ça tout. J'aimerais me dire ça. Pas de différence entre démocrates et républicains. Tous les deux ont défendu l'intérêt des États-Unis. Sauf que pas faire. Ils ne peuvent pas faire de la même façon. Avec même rigueur, là. Oui. Ensuite, tout, non. M'bat même dire même rigueur là. Ça va dépendre de, en fonction de situation qui présente devant eux, vous allez connaître comment vous réagir. Par exemple, si vous prenez exemple, j'aime prendre exemple de Australie avec la France, Australie avec les États-Unis, comment les Américains ont réagi côté que vous prenez, comment vous avez dit non, sans vous prenez un contrat non, mais la France, avant tout, c'est l'intérêt des États-Unis, ça veut dire son, oui. Son bagage que trop à faire. Mm-hmm. Ensuite, pour nous parler de question projection présidentielle, yo, c'est gestion de crise ça pour déterminer élection qui va venir. Même si m'passe li ont gens très tôt, m'passe li ka plus gen une incidence directe sur élection de mid-term yo, ou bien élection de mi-mandat qui va arriver en novembre 2022. Voilà, et ça fait me dit que ça passe là gen un réseau bien structuré qui a bien de information. Et pour comment vous devez venir sur sa captanio et avantage captanio qui force mon yo venir jusqu'à présent que pile monde cap avancer toujours. Donc on sent que son bagage qui était planifié et auparavant. Donc et on pense que nous y en pile bagage nous rivé et dans fin émission hein? Et Wilfried m'a seulement remercié pour invitation hein? Et on pense que en pile monde qui t'a regardé et live là après nous qui t'a regardé émission hein? Et information pour bayo on pense que en pile monde édifié donc on va connaître son dernier mot. Pour partager ce qu'on a des considérations et quoi faire pour nous capables. Donc moi m'a dit merci pour l'invitation. Donc c'était un réel plaisir pour, et je pense que bon considération que m'a fait, je pense que d'abord ressortissant haïtien ou bien immigrant haïtien supposé penser deux fois soit aller en contour déjà intégré pas la peine pour aller aux États-Unis illégalement. Donc soit aller illégalement, donc c'est comme si recommence à zéro, c'est recommence à zéro lieu. Donc c'est ça m'a dit bon. Ensuite, merci et à la prochaine. Donc, merci tout le monde, c'était un plaisir. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que nous avons reçu Wilfried Joseph dans l'émission. Je vais rappeler Wilfried Joseph, qui est étudiant finissant en relations internationales, directeur de recherche de une plateforme qui gère questions et réflexions sur questions relations internationales. Voilà. Il est tout sur les RI. Voilà, donc Wilfried Joseph, il était avec nous là aujourd'hui pour considération politique diplomatique de questions. Donc, moi, je dis merci à tout le monde qui t'a regardé nous et à la prochaine pour l'autre émission Moment Pam. Restez super pour me faire un beau live là. À la prochaine.